Adra, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous avez un message, on vous écoute. J'ai effectivement un message au nom du président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, j'ai la profonde douleur de vous annoncer le décès ce samedi 7 mai 2022 du président de l'Assemblée nationale, mon jeune frère Amadou Soumaoro. Je rends hommage à un grand homme d'État dont l'engagement et le parcours politique ont marqué notre pays. La Côte d'Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un compagnon fidèle, un ami loyal et dévoué. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus émues à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le samedi 7 mai 2022, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'était donc là le message que j'avais à livrer au nom du président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur Alain Andra. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et avec cette nouvelle, on note que la mort a encore secoué les hommes, comme le vent secoue tous les jours les feuilles des arbres. Que cette pensée de Amadou Ampatiba trouve réconfort auprès de chacun. Merci. Doléances à toute la Côte d'Ivoire. Merci. On se rend dans la commune de Yopougon. Le